Oh my god, escape me! Putain, comment ils font pour être aussi forts? C'est un truc de fou! Moi aussi j'ai envie d'être aussi fort, bordel! Il me reste plus qu'une seule chose à faire. Vous avez vu l'intro que vous venez de voir? Si vous en voulez plus les mecs, et que vous voulez que j'innove encore plus dans la vidéo, n'oubliez pas, code UMS dans la boutique d'objets. Boutique d'objets sur Fortnite, soutenez un créateur en bas à droite de votre écran, et là vous mettez UMS. En minuscule ou en majuscule, ça marche les deux. Acceptez, soutenez un créateur UMS, ça fait super plaisir les mecs. S'il y a écrit ça en bas à droite de votre écran, ça veut dire que vous êtes carré. Ça veut dire que vous êtes carré dans l'axe. N'oubliez pas de le mettre, ma mob, c'est super important, et ça soutient énormément. Merci à tous ceux qui le mettent, ça me va... droit au cœur, droit dans le téton là, hop là, juste ici. Bon, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça change pas. On reste dans le domaine des périphériques, des claviers souris, vous l'avez vu dans l'introduction. En ce moment, je m'investis pas mal dans les introductions. Dites-moi ce que vous en pensez là. J'essaie de faire des petits trucs humoristiques, t'as les acteurs de New York, t'as les Wandowski. Tête de ma mère, les mecs, Inox Tag, il m'a trop influencé. T'as les Wandowski. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu, avec cette introduction digne des plus grands acteurs hollywoodiens, les mecs. Aujourd'hui, on va tester le setup de Benji Fishy. À un moment dans ma vie de joueur Fortnite, je me disais, putain, ce qu'il me faut, c'est le setup des joueurs pros en fait, pour être comme eux, pour avoir le même niveau qu'eux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, les mecs. Aujourd'hui, on va tester le setup de Benji Fishy, l'un des meilleurs joueurs du monde. 100% vous le connaissez si vous jouez à Fortnite. Sérieux? Je me demande actuellement dans quelle grotte est-ce qu'il faut vivre pour ne pas connaître Benji si vous jouez à Fortnite. Donc aujourd'hui, on va s'enfoncer son clavier et sa souris dans le cul. Et on va voir ce que ça donne. Alors, en clavier, il a le Wooting One. Donc, le Wooting, je l'ai déjà acheté. Hein, j'ai pas eu besoin de l'acheter. Vous avez le lien de la vidéo dans lequel je l'essaye en description. Allez voir. Petit pouce bleu. Petit pouce bleu, maman. On a ensuite la Endgame Gear XM1R que je n'ai pas encore essayé. On va l'unbox ensemble. Et le tapis de souris, il a un Zoe GSRSE. Pour ceux qui connaissent, il est introuvable. Introuvable nulle part. Du coup, j'ai dû me rabattre sur quelque chose qui est très très similaire en termes de performance et tout. En vrai, c'est les mêmes. Ça, tout ça, les mecs. Eh, écoutez-moi, regardez-moi dans les yeux. Ah, c'est vraiment les mêmes. Je vous assure, c'est les mêmes. La marque de ce tapis, c'est Inked et c'est vraiment similaire. J'ai un petit chat, regardez, il a un petit chat en bas à droite. Ta gueule! Putain, il y a du scotch. On va voir si on va avoir le level de Benji avec son setup là. Donc, petite souris, toute noire. Hein. Petit unboxing plutôt sympatoche. Mmh. Non, en vrai, super stylé la souris, attends. J'aime bien, j'aime beaucoup la forme. Vous en pensez quoi? Derrière, il y a le code de mon wifi. Allez, on y va. C'est bon, enfin, let's go, on lance la game. Bon, c'est un tapis de souris, ça dégage. Tu mouriras en enfer. Bon, c'est une souris aussi, ça dégage. Et... la branche. Il n'y a pas de lumière. Ah, des RGB, de la lumière. J'aime bien. Oh bordel. Boom. Oh let's go. Oh là 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 là. Allez les mecs, on est parti pour tester le setup. On va voir un peu ce que cette souris vaut, ce que ce tapis vaut, ce que le clavier vaut, même si je sais déjà ce qu'il vaut. Je l'ai déjà testé. Vidéo dans la description. Oh la pire arme du jeu. Zero one. User entered your channel. User down. Left your channel. Boom. Ok, let's go. Allez, ça dégarpille. Allez, on bouge de là. Ce pistolet, je l'utilise jamais. Il y a plein de gens qui disent qu'il est bien, mais je l'ai jamais utilisé pour le moment. Hein. Vas-y, je vais essayer de l'utiliser dans cette game. On va voir ce que ça vaut. Ah, ce pompe-là, par contre, je l'ai bien utilisé. Hein. Ce pompe-là, je l'ai bien utilisé. C'est vrai que ce bot, il donne des trucs aléatoires. Je le fais jamais, je l'utilise jamais. Vas-y. Il m'a donné quoi? La tête de ta mère! La tête de ta mère! Oh la tête de ma grand-mère! What the fuck? La tête de ma grand-mère, il m'a donné un espace en or! Oh la tête de ma mère! Oh, je suis Gucci, les mecs. Bon, en vrai, la souris, j'ai l'impression de bien aimer jouer avec. Hein. Elle est bien pour ma main et tout. Je sais pas, j'ai l'impression elle est faite pour ma main. Oui. Bah, le clavier classique. Hein. Le clavier classico de los classicos. Je peux pas dire qu'il est nul. Je vous l'ai présenté, je vous ai dit que c'était incroyable. Vidéo en description si vous l'avez pas vu. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Elle en apprend beaucoup, la vidéo. La vidéo est super, super lourde pour apprendre comment fonctionne le clavier, etc. Le tapis de souris, je le trouve mignon. Je suis pas super fan du tapis. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il glisse un peu trop pour moi.
Hop là. Allez. Oh, les bastos que tu peux mettre avec ce pompe. Incredible, hein. Incredible, les bastos. Le bot, il donne un truc, lui aussi, ou pas, là? Il donne une petite scar en or, là, si je parle au bot? Il m'a donné du métal. Ah, t'es un peu freiné, toi, hein. Toi, t'es grave freiné comme bot. On a la frappe Lewandowski. On a un space Lewandowski. Putain, Inoxtag, il m'a matrixé, je vous jure. Oh là là, à cause de lui, je dis toujours ça maintenant. T'as zéro van, Benji, il joue avec une souris que personne connaît, hein. Vous savez qu'elle est super pas connue, cette marque, hein. Benji, quand même, ça me choque, il joue avec une souris qui est vraiment pas connue, hein. La marque Endgame Gear, je la connaissais pas avant que Benji utilise. Et en vrai, la souris, elle est pas mal, hein. Ça me choque qu'il joue avec des souris qui sont super pas connues. Alors que tu sais, il y a des marques grave connues, Logitech, Final Mouse, tu vois, des trucs de fou, tu vois, qui sont connus. En vrai, ça valait le coup de tester parce que vraiment, je suis sur le cul. C'est pas mal du tout. Le petit souci, c'est qu'elle est filaire, je dirais. C'est le fait qu'il y a un fil, tu vois. Ça, c'est un peu chiant par rapport à Logitech ou quoi, tu vois. Putain, qu'est-ce qu'elle est confortable, sérieux. Nope. T'es mort. Il est tombé dans mon box. Oh là là, le space en or, les bastos. Oh là là, une de ces bastos, mon gars. En cocteau, en cocteau. Cocteau, cocteau. Viens ici, viens ici, je te dis. Mais laisse-moi dormir. Faut aller en zone, faut aller en zone là. Regarde-le, regarde-le, va en zone, Harry. Mamao, va en zone, Mamao. J'ai l'impression que t'as voulu me turbuler le cul. La gueule. Voilà. Je te turbule le cul là. Hop, ramène ton petit, ramène ton petit cul. Bon, j'ai eu des couilles, hein. Oh, bon, putain. Je vous assure que j'aurais été en compétition ou quoi, j'aurais jamais fait ça. Je suis trop débile. Oh, j'ai failli ruiner la game sur ça, là. C'est grave, des fois, mon cerveau, hein. Alors, il avait son gros pompe en main, là. Je sais pas si c'est qu'une impression ou bien, tu sais, la chance du débutant. Je me sens tellement à l'aise avec cette souris. Zéro van, c'est dingue, hein. Je parle en sarf. Ouais. Je crois bien. Ouais. Il a fermé le devant. Il a plus l'air d'avoir des boules, lui. Ah, si. Lui, il a des vernes de fou, hein. Ah, lui, il est chaud, lui, je pense. On a attaqué le mauvais poulet, là. Alors, lui, par contre, je pense que c'est un bon poulet, hein. Alors, lui. Ils veulent m'arracher là. Mais laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Il s'est pas fait avoir. Oh, quoi? Il a traversé mon mur. Il a traversé mon mur normal. Non, c'était le dernier. Oh la haine. Je suis au malaise. Je vais faire un malaise. Bon, verdict, très très bonne souris. Oula, par contre, oula, il y a de la sueur. Oula là. Attendez les mecs, ça c'était pas prévu ça. Les mecs, regardez ça. Il y a ma sueur sur la souris. Non mais non, attends, ça c'est chiant ça. Wesh, on dirait que j'ai fait une séance Starty Bone Shape. C'est trop. Non, il y a trop de transpiration là. Le tapis de souris. Le tapis de souris, super stylé. Hein. Moi, la raison principale, c'est le petit chat. Moi, j'aime bien le chat. Et le clavier, bon bah classique, hein, le clavier Wooting One, meilleur clavier actuellement. On s'abonne les mecs, on n'oublie pas, petite cloche de notification et code UMS dans la boutique d'objets. Vous allez dans boutique d'objets sur Fortnite, soutenez un créateur juste en bas à droite. Vous mettez UMS soit en majuscule, soit en minuscule comme vous voulez, les deux fonctionnent. Vous cliquez sur accepter et s'il y a écrit soutenez un créateur UMS en bas à droite de votre écran, ça veut dire que c'est bon. Merci à ceux qui le mettent, ça me fait super plaisir et ça soutient beaucoup plus que vous ne pouvez le penser.